Thank you.
Je vais devoir rebooter le système de la porte. Il y a un code particulier que je connais pas. Ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Mais ça veut peut-être dire qu'on a enfin trouvé le bon endroit. Vous pensez que c'est une sécurité renforcée? Vous pouvez malgré tout la contourner sans souci? Je vous l'ai dit, ça prendra juste un peu plus de temps. Mais si cette porte dispose d'un code unique, un code qui figure pas sur les registres des systèmes de sécurité, c'est que ce qui s'y cache derrière est précieux. Ouais. Alors pourquoi on est les seuls ici? C'est vous le hacker, mais moi j'ai l'expérience du terrain. J'ai servi pour la FH. Et si cette zone n'est pas gardée par au moins une milice privée, ça ne peut dire que deux choses. Soit il n'y a rien ici, soit c'est un piège. Et j'espère qu'on se trompe encore de lieu, même si j'en ai marre de traquer cette piste. Autrement, je donne pas cher notre peau. Écoutez, Yulrin, on va pas remettre ça. C'est pas le moment. C'est vous qui êtes venu me voir pour traquer les différents entrepôts de Terrigwallafun sur la colonie. C'est vous qui m'avez motivé à continuer les recherches pour retrouver les clones et faire tomber cette pourriture. Alors non, c'est pas le moment. On y est peut-être enfin arrivé. On a peut-être enfin trouvé ce qu'on cherchait. Il ne s'agit pas de ça, Zeren. Il ne s'agit pas de savoir pourquoi on est là. Bien sûr que je veux faire tomber Terrigwallafun et son monde de corruption avec lui. Bien sûr que je veux retrouver les clones et connaître ses réelles intentions. C'est bien là notre terrain commun. Mais il y a un terrain que l'on ne partage pas et qu'il va falloir remettre en question. Ah ouais, et lequel? Allez-y, hein, je vous écoute, le temps que je pirate le code de la porte. Assassiner Terrigwallafun à la soirée de réélection n'aurait rien fait. Ah oui, pourtant une balle entre ses deux yeux et on n'en serait pas là. Non, ça n'aurait rien changé, vous le savez. Un autre aurait pris sa place, mais surtout, cela n'aurait pas ramené votre sœur. Ça ne vous aurait pas permis de la retrouver. Si Terrigwallafun est réduit au silence, on ne saura peut-être jamais ses réelles intentions du fait qu'il retient captifs vos clones. Vous savez quoi? Vous avez raison. Vous avez raison, Yulrin. Cela n'aurait pas ramené ma sœur. Mais vous savez quoi? Vous savez pourquoi j'étais amené à faire cette menace et viser Terrigwallafun à sa soirée de réélection? Par pure colère, par pure rage. C'était mes sentiments qui agissaient, pas ma raison. C'était irrationnel. Mais il fallait que je me décharge, que je me défoule sur quelqu'un, car en réalité, je m'en voulais au plus profond de moi d'avoir perdu ma sœur. Tuer Gwalafen était une évidence en vue de la situation, pour ce qu'il a fait et pour ses intentions. Mais si j'ai cherché à le tuer, c'était en réalité pour me libérer d'un poids, pour me libérer de toute la haine et des remords que je portais sur moi. Me défaire de tout ça contre une cible parfaite, idéale, qui aurait mérité son sort. Oui, le tuer n'était pas intelligent et ça n'aurait pas permis de retrouver ma sœur, mais uniquement de me soulager de ce sentiment que je porte depuis trop longtemps. Vous pouvez comprendre ça, Yulrin? Vous pouvez le comprendre et qu'on passe à autre chose? Je ne sais pas. Je vous fais confiance, Deren. On a un passé particulier, vous et moi, de ce qui nous lie. Mais ça ne fait pas tout. Alors, je vais vous faire confiance jusque-là, jusqu'à ce qu'on retrouve vos clones et qu'on lève le voile sur les projets de Gwalafun. Après quoi, il est possible qu'on ne fasse plus route ensemble. Ouais, eh bien, on verra ça le moment venu. En attendant, j'ai contourné la sécurité de la porte. On va pouvoir entrer et voir si nos efforts seront enfin récompensés. Deren et Yulrin sont donc parvenus à pénétrer dans un entrepôt détenu par Terrigwallafun dans les quartiers privés à l'extérieur de Nexerum et l'Y. Ce dernier, directeur de la milice de la colonie, est aussi propriétaire de nombreux entrepôts. Son pouvoir s'étend sur plusieurs domaines. C'est une personnalité très influente sur la colonie. Zeren et Yulrin pensent que c'est dans un de ces entrepôts que se trouvent les clones d'Aiko, que retient captif Terrigwallafun. Ce qui porte Zeren à dire qu'ils ont enfin trouvé ce qu'ils cherchaient, c'est que le code de sécurité qu'elle vient de hacker est différent des autres qu'elle a préalablement contournés. Depuis l'époque d'Aiko, Zeren excelle dans le hacking. C'est la seule façon pour elle de survivre dans ce monde impitoyable. Mais son comportement lui a fait perdre sa sœur, qu'elle tente désormais de retrouver. Elle a trouvé un allié précieux en la personne de Yulrin, ancien membre de l'AFH. Il cherche à mettre fin aux agissements malsains de Terrigwallafun. Ils ont trouvé un terrain d'entente, à retrouver les clones d'Aiko retenus captifs pour lever le voile sur les véritables intentions du chef de la milice. Mais les méthodes de Zeren ne conviennent pas à Yulrin. Lorsqu'ils auront enfin trouvé ce qu'ils cherchent, ils devront être confrontés aux méthodes de l'un et de l'autre. En attendant, Zeren et Yulrin progressent dans l'entrepôt de Terrigwallafun et parviennent à une pièce centrale. Eh bien, on n'a pas encore vu pareil salle. Si vous doutiez encore qu'on est au bon endroit, Yulrin, je ne peux plus rien pour vous. En effet, nous avons mis le doigt sur quelque chose. Il va falloir que j'enregistre tout ce qu'on trouvera. Ne traînez pas trop n'importe où. Il doit y avoir un système de sécurité. On pourra peut-être pas faire tout ce qu'on voudra. De toute manière, il nous suffit juste de retrouver où sont retenus les clones. Et peut-être ma sœur. Ça ne ressemble pas à un endroit où les clones seraient retenus captifs. On dirait plutôt une centrale, une sorte de terminal, un centre de données.
Il nous faudrait accéder à cet ordinateur et à ses données. Vous pouvez le... Je regarde ça. En effet, il s'agit d'un terminal de données. Un terminal dont l'administrateur est Gualafen. Le code est assez simple à craquer. On trouvera peut-être pas les clones dans cet entrepôt, mais avec ce terminal, on aura peut-être la localisation exacte de où ils sont retenus. Ça pourra nous faire gagner beaucoup de temps. On doit aussi avoir suffisamment d'infos à récupérer pour mettre Gualafen à la déroute. On verra ça une fois que j'aurai accès à ces fichiers. Étrange. Il semblerait que ce terminal ne contienne qu'un seul programme d'exécution. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? Le projet dynamique? Mais qu'est-ce que c'est? J'en sais rien, mais on va vite le savoir. Projet dynamique, exécution. Sur l'écran principal du terminal de données, Zeren parvient à afficher le programme nommé Projet dynamique. Les premières choses qui frappent Zeren et Yulrin au lancement de ce programme, c'est son intitulé. Pourquoi les lettres D, H, A et CK sont inscrites différemment? D-H-A-C, DAC, une sorte d'anagramme de mot caché? Impossible de le savoir jusqu'alors. Pendant de longues minutes, Zeren et Yulrin déchiffrent le programme pour en apprendre les intentions. Leur découverte fut vertigineuse. Ils ne s'attendaient pas, en s'infiltrant dans l'entrepôt du chef de la milice, à tomber sur ce type de ressources. Au mieux, ils espéraient trouver les clones retenus captifs. Au pire, une série d'armes et autres matériels de pointe. Mais ici, il s'agissait d'un programme révélant des projets et des intentions propres à Terry Gualafen d'un autre ordre. Un document détaillant les différentes étapes à suivre dans l'élaboration d'une arme d'infiltration. Zeren et Yulrin apprirent en premier lieu que Terry Gualafen, le chef de la milice de Nexerum LY, était affilié avec des personnalités éminentes liées aux affaires des Bolshaux. Les Bolshaux sont une organisation héritière d'une faction militaire qui, jadis, lors d'un autre avènement de l'humanité et de l'AFH, avait fourni d'importants efforts de guerre permettant à l'humanité de survivre face à une menace aujourd'hui étrangement inconnue et oubliée. Les Bolshaux disposent de moyens et de ressources importantes. Ils sont vus d'un mauvais œil par l'AFH car ils représentent une menace sur le pouvoir et la domination du souverain sur les différentes colonies de la Constellation. La convoitise des Bolshaux sur la maîtrise des colonies est bien connue, tout comme celle de l'Ophérie d'ailleurs. Et l'AFH mène une lutte idéologique contre cette organisation, bien que les Bolshaux jouissent de privilèges et d'une impunité tout aussi étrange. En somme, leurs activités et leur présence sont connues. Elles sont redoutées et craintes, mais nul ne sait vraiment d'où vient leur influence. Les différents agents Bolshaux agissent dans le secret et la confidentialité, tout comme Terry Gualafen et son projet dynamique sur lequel Zeren et Yulrin viennent de tomber. Ce projet, donc, était une arme d'infiltration. Ce qui glaça le sang de Zeren, c'est qu'elle apprit que la captivité des clones d'Aiko était liée à l'élaboration de cette arme. En effet, si Terry Gualafen retenait les clones hackers, c'était dans le but de mettre en place un appareil d'infiltration ultra performant et sophistiqué, indétectable, infaillible et intraçable, permettant d'avoir accès à n'importe quelle information où qu'elle soit, même dans le centre de Menem, le complexe de l'AFH le mieux gardé et le plus sécurisé de la Constellation. Si cet appareil voit le jour et est entre les mains des Bolshaux, ces derniers pourront avoir accès à n'importe quelle information qu'ils désirent sans se faire repérer. Enfin, et ce qui était le plus troublant, c'était la représentation holographique de cette arme. Un appareil relié sur tous les clones hackers et leurs aptitudes, concentré dans un autre clone, emprisonné dans un corps cybernétique, un esclave robotique. Le hacker ultime au potentiel d'une arme totale de destruction et de contrôle. Mais quelle est cette abomination? Zeren, mais qu'est-ce que c'est enfin? Une arme? Une arme d'infiltration? Mais dans quel but exactement? Vous avez lu la même chose que moi, Yulrin. Mais je ne suis pas sûr de bien comprendre. Ces noms qui s'affichent là, à côté de la case client, ces noms là, Dan Defern, Sorena Andrea, Laowa et les autres, ils sont affiliés aux affaires des Bolshaux, non? Tout juste. Terry Gualafen fournit une arme aux Bolshaux. Une arme d'infiltration? Composée des différents clones d'Aiko. Ceux que j'ai conçus à partir de ma sœur. Toutes ces vies, tous ces clones, tous ces hackers, retenus captifs par Gualafen pour composer une arme d'infiltration totale. Je n'en reviens pas. Voilà donc les réelles intentions du chef de la milice?
Voilà pourquoi il garde emprisonnés les clones. Il livre une arme dont le potentiel de menace est total, une arme totale de destruction massive. Vous imaginez ce que l'on pourrait faire avec ces genres d'armes? Je ne préfère pas, non. J'ai déjà assez de mal à figurer de ma responsabilité dans l'élaboration de cette arme. Je veux pas savoir pourquoi et encore moins par qui son utilisation aboutirait. Il faut faire quelque chose, Deren. On ne peut pas rester là sans rien faire. On a devant nos yeux une preuve d'une menace sans nom. Moi qui tâchais de réparer une erreur personnelle qui avait déjà détruit la vie de nombreuses personnes, je me retrouve à faire face à une arme dont le potentiel a été généré par mes seules erreurs. Je sais pas comment je dois. Je sais pas comment je dois et surtout comment je pourrais gérer ça. Deren, gardons notre sang-froid. Ne faisons pas de choses inconsidérées. Nous venons de tomber sur une preuve accablante contre Thierry Golafen. Servons-nous-en. Servons-nous de ça pour contrecarrer ses projets. Tenons-nous à ça, Deren. Il nous fallait des preuves et on les a. Deren était impuissante face aux révélations. C'était comme si elle portait le devenir et la responsabilité de la colonie, de la constellation et de l'espèce humaine sur elle, et qu'elle était écrasée et dévastée par la culpabilité. Sa culpabilité. Depuis plus de 7 ans qu'elle tente de retrouver sa sœur, de réparer ses erreurs. Tous ses efforts étaient vains face à l'incommensurable menace que représente ce projet de dynamique, cette arme de destruction massive. Elle qui cherchait un échappatoire à son supplice et aux remords qu'elle portait en elle durant toutes ces années, tout son combat pour rétablir un peu de bien dans tout le mal qu'elle avait semé et vu grandir, tout cela fut en un instant anéanti et concentré dans une arme. Une arme dont elle avait élaboré les cartouches et dont Thierry Golafen et les Bolchos maintenaient la gâchette. Elle réalisa que son œuvre était bien pire qu'elle ne put l'imaginer et le constater. Elle se retrouva perdue, peut-être même encore plus perdue que ne l'était sa sœur. Mais Yulurin était là et parvint à garder en tête qu'il fallait récupérer ce programme pour en faire une preuve et ainsi attaquer Thierry Golafen pour le faire tomber, lui, son empire de corruption qui bientôt serait un empire de destruction. Yulurin se rapprocha alors de Zeren et la serra dans ses bras, car il voyait, en dépit de tout ce qui les opposait et les différenciait, que Zeren avait besoin, à cet instant, d'un simple réconfort. Qu'il était la seule personne la plus proche d'elle et que s'il voulait la voir s'en sortir, il se devait pendant un temps de mettre de côté leur animosité pour la réconforter et essayer d'aller de l'avant. Zeren s'effondra au sol. Yulurin tenta tant bien que mal de la consoler et de la relever, de la faire raisonner à enregistrer les informations sur lesquelles il venait de tomber pour par la suite s'en servir. Mais alors que la situation ne pouvait pas être pire, l'ordinateur lança un autre programme d'exécution. Projet de défense fantôme, exécution. C'est alors qu'un mécanisme se mit en marche, au centre de la pièce où Zeren et Yulurin se trouvaient. Une sorte de cylindre métallique et hermétique s'éleva depuis le sol. Quelques secondes plus tard, le rideau du tube s'ouvra et une épaisse fumée s'en dégagea. C'est alors que Zeren et Yulurin entrevirent une silhouette dans la fumée qui s'estompait progressivement. Une silhouette très grande et très fine, quelque chose à la fois sombre et froid. La fumée s'évanouit finalement pour dévoiler un corps robotique et mécanique qui était sobrement positionné au centre de la pièce. Ce qui frappa le plus Zeren et Yulurin, ce n'était pas tant l'arrivée inattendue de ce corps robotique. Non, c'était plutôt le fait que la technologie ne leur était pas familière. Il s'agissait d'un modèle dont ils n'avaient jamais vu l'apparence. Comme si, à la fois, c'était un corps qui venait d'une autre époque et d'une technologie différente. Pas forcément plus avancée, mais étrangère. C'est comme si ils découvraient pour la première fois de leur vie une nouvelle forme de vie. Mais ici, il s'agissait d'une technologie robotique. Et alors que Zeren et Yulurin contemplaient ce qui se trouvait devant leurs yeux, la grande silhouette robotique s'activa. Sur le haut de son crâne, plusieurs diodes lumineuses s'allumèrent pour donner vie au corps froid et mécanique. Le robot s'activa dans une chorégraphie très lente, comme si cela faisait des années qu'il n'avait pas été mis en état de marche. Le robot se dressa gracieusement en direction de Zeren et Yulurin, les fixa un instant avant de brandir deux canons en leur direction. Il était maintenant clair que cet étrange corps robotique était un système de défense du lieu qui allait mettre son programme à exécution. Zeren et Yulurin étaient encore captés par l'étrange machine de guerre qui se dressait devant eux, pointant ses deux canons en leur direction. Ils ne gémirent même pas,
ne savant pas face à quoi ils avaient affaire et ne sachant donc pas comment réagir exactement. D'autant plus que Zeren aurait été incapable de se relever au même instant. Les canons du robot de défense se chargèrent alors et étaient sur le point de faire feu. Mais c'est alors qu'un puissant coup retentit dans la salle. Un gros bruit explosif sortait de nulle part. Il y eut une puissante et violente déflagration, et en un instant, le robot fut projeté d'un bout à l'autre de la pièce pour venir s'encastrer dans une solide paroi. La machine de guerre menaçante il y a de ça une seconde se retrouva défigurée dans le mur, inactive et fumante. Eh bien, on arrive juste à temps, visiblement. Pas le malin. Ces choses-là sont coriaces, faut pas qu'on traîne. Ouais. Bon, on l'exécute. Et à peine que Zeren et Yulrin eurent compris ce qui venait de se passer, que Yulrin se retrouva une fois de plus pointé d'une arme en sa direction. Mais cette fois-ci, c'était bien une personne qu'il avait en face de lui et qui le menaçait, prêt à enfoncer la gâchette et l'abattre sans que Yulrin ne sache à qui il avait affaire. Bordel, mais vous êtes qui? Qu'est-ce qui se passe? On doit d'abord se présenter à lui, même si on doit le tuer. Eh, du calme là. Mon ami, là, il faut l'aider. Je sais pas qui vous êtes, ce que vous voulez ou d'où vous venez, mais baissez votre arme et racontez-moi ce qui se passe. Bon, baisse ton arme, Rusius. On a un peu de temps avant que l'alarme se déclenche. On calcule le droïole au cas où. Ok, très bien. Allez, file-moi un coup de main, Melvin. Yulrin venait alors de faire la brusque rencontre de trois personnes qui étaient survenues de nulle part dans l'entrepôt et qui venaient de leur sauver la vie face au robot. Enfin, ces mêmes personnes voulaient sembler-t-il aussi sa mort. Yulrin se redressa alors que Zeren, elle, resta au sol, toujours accablée par la situation. Une jeune femme s'approcha et se présenta. Bon, qu'on t'explique les choses. On est là pour Daiko et rien d'autre. Quoi? Zeren? Mais qu'est-ce que vous avez à voir avec elle? Vous sortez d'où, enfin? Bon. Moi, je m'appelle Lena. Le vieux qui t'a pointé, c'est Rusius. Et l'autre jeune muet, là, c'est Melvin. On fait partie d'un équipage, le SI Futur. Bon, bref. On vous piste depuis un petit moment, déjà. Enfin, on piste surtout Daiko. On a besoin de ses talents de hacker pour un autre projet. On a vu que vous essayez de vous infiltrer dans l'entrepôt de Golafun. Oui, d'ailleurs, lui aussi sans doute à l'heure actuelle. Il a déjà dû être alerté dès lors que son fantôme s'est mis à exécution. Du coup, on est intervenu en conséquence. Vous sauvez la mise et repartir avec Daiko. Jusque, bon, toi, désolé, tu dois pas survivre. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Et pour quel genre de projet vous voulez emmener Zeren au juste? Oh, à moi, tu m'as rien fait à vrai dire. Mais ce sont les ordres du capitaine. Récupérer Daiko et éliminer l'agent de la FH. C'est-à-dire, toi. Oui, on sait que ça date cette époque de quand tu bossais avec la FH. Mais ce sont les ordres. On préfère pas laisser plus de traces que le Droyol n'en a laissé. Ça a foutu un sacré bordel, n'empêche. Le Droyol? C'est quoi ça? Quoi, tu l'as pas vu? Il est pas assez grand comme ça? Yulrin jeta un coup d'œil par-delà l'épaule de Lena qui se tenait devant lui. Il découvrit alors une autre étrange machine, elle aussi robotique, et qui laissa à Yulrin le même étrange sentiment face au premier robot de défense. Comme si c'était une technologie étrangère, qu'il venait tout juste de découvrir. Mais ça sort d'où ces machines? Ah mais oui, ça me paraît évident, mais bon, ce sont des choses qui ont été oubliées des mémoires. Ce genre de machines de guerre d'un autre âge. Bon, pour te faire simple, les gars comme les bolchos conservent des machines de guerre très sophistiquées que la quasi-totalité de l'espèce humaine ignore. Mais nous aussi on en a en réserve. Le dispositif de défense qui s'est activé plus tôt, c'est un fantôme. Une arme utilisée il y a très longtemps, que Terry Golafen s'est vu offert par les bolchos pour le fruit de leur service échangé. Des fantômes, il y en a eu plusieurs séries. Ils ont servi durant une ancienne et imposante bataille à travers la constellation. Et ce qu'on a nous, bah ça vient d'à peu près la même époque et des mêmes personnes. C'est un autre modèle de guerre. Ça s'appelle un Bagaild. C'était une technologie où un corps humain était mis dans une carapace robotisée et mécanisée. Ça faisait des armes humaines décuplées. Ce qui est intéressant, c'est que la personne qui occupait ce Bagaild il y a des dizaines d'années est mort, mais son squelette a été conservé par la carapace robotique qui l'habitait. C'est une armure irréversible, et la partie mécanique, elle est toujours fonctionnelle. Elle a conservé le squelette qui était à l'intérieur. Du coup, t'as une grande arme robotique macabre qui se trimballe un squelette depuis des décennies. Et nous, on l'a récupéré. C'est tout. La personne qui était dedans s'appelait Droyol. Du coup, on a gardé ce nom, le Droyol. On savait que Golafen gardait des armes de ce genre dans ses entrepôts. Par précaution, on a pris le Droyol avec nous. T'avais vu ce que ça a fait, hein? En un seul coup, le fantôme a été mis hors de portée. Lena venait tout juste de finir ses explications auprès de Yulrin qui avait toujours du mal à comprendre ce qui venait de se passer, que l'alarme dans l'entrepôt retentit. Bon allez, fini le topo. Au moins tu mourras en ayant appris quelque chose que beaucoup ignorent. Le prends juste pas personnellement, hein, on veut juste le hacker. Zeren?
Oui, Diren, Daiko, peu importe. Bon, Brucius, Melvin, on s'apprête à décoller. C'est bon, Lena, le Doriol est prêt. S'il y a un comité qui nous attend dehors, bah nous aussi on les attend. Lena se pencha alors près de Diren. Vous allez nous suivre. On vous expliquera en détail une fois que vous serez à bord du vaisseau avec nous. Nous savons que vous recherchez votre sœur jumelle, mais on a besoin de vous avant. On a les moyens de la retrouver. Suivez-nous et vous la retrouverez, votre sœur. Lena commença alors à redresser Diren et la somma de la suivre. Yulrin tenta de s'interposer. Quoi, vous abusez de sa faiblesse? Vous savez vraiment où est sa sœur? J'en doute fortement. C'est pas tes affaires. Brucius! Diren, vous ne pouvez pas partir avec eux. On fait équipe. On tient quelque chose contre Gwalafun. On peut le faire tomber. Diren, étant plus très lucide et surtout au bout de tout espoir, lâcha finalement à Yulrin. Je m'en fiche, Yulrin, je m'en fiche. Vous avez vu ce que mes erreurs ont fait? C'est pas vous qui allez les réparer. Et vous pensez que ce sera des pirates sortis de nulle part qui le feront? Mais à peine que Yulrin eut fini sa phrase, que Brucius pointa de nouveau son arme en sa direction. Mais cette fois-ci, il n'attendit pas une seule seconde, et exécuta froidement Yulrin, qui s'écroula aussitôt au sol, se vidant de son sang. L'alarme retentissait toujours autant. Lena accompagnait Diren vers la sortie de l'entrepôt avec Brucius, Melvin et leur bagaille de Doriol. Diren était totalement déboussolé, qu'elle suivait aveuglément ceux qui étaient venus la récupérer. Ils parvinrent sans trop de difficultés à quitter l'entrepôt de Terry Gwalafun. Grâce à leur bagaille de Droyol, les drones de sécurité situés à l'extérieur ne furent pas un obstacle. Ils rejoignirent par la suite le vaisseau pirate du SI Future 930 et son équipage. Suite à ces événements, Terry Gwalafun fut bien entendu furieux. Il accusa l'AFH d'avoir saboté un de ses entrepôts. Mais Terry Gwalafun était conscient de la menace qui pesait sur lui. Il savait ce qui s'était passé dans son entrepôt. Que Diren était à sa recherche et connaissait maintenant ses réelles intentions en lien avec les Bolcho et leur projet dynamique, cette arme d'infiltration massive. Mais face à l'AFH, il ne pouvait pas exposer tous ses travaux et projets. Il se contenta d'attaquer l'AFH pour les dégâts causés dans son entrepôt. Mais une épée de Damoclès était maintenant au-dessus de sa tête et elle se nommait Diren. Mais Terry Gwalafun s'en sentait encore une fois très bien, car Diren n'avait pas l'intention de le traquer. Elle était utilisée pour ses talents de hacker par l'équipage du SI Future et de son capitaine. Elle avait été mêlée pour une autre chose désormais, et le but de retrouver sa sœur fut oublié. Diren était terrassée, dépassée par les événements et ce projet dynamique. Les pirates du SI Future se servaient de cette faiblesse de la part de Diren pour s'occuper d'un autre projet qui était d'une autre ambition. Une ambition qui allait changer la face de la constellation dans un avenir toujours plus proche.